terre. Quel bonheur! Ma belle, comment tu vas? Je vais bien. Super, il fait bon, on a de la chance. Coucou. Trop chouette de t'avoir parmi nous. Salut Morgane. On est vraiment là pour détendre, pour profiter. S'en foutre plein la gueule, on va se faire masser la tronche, le pouls, le dos, tout ce que vous voulez. Spa sauna, on va bien manger. Demain, il y a une belle surprise, on a un dîner spectacle, je vous en dis pas plus. Oh ma On est en colonie colonie plus plus hein. Et sinon, bienvenue. Et je vous souhaite à tous un délicieux week-end, profitez bien, ça va être génial. Merci, merci. N'a jamais été dérangé. Il a fait sa meilleure sieste. Bienvenue. It was gone. Solène, elle était bien aussi. Hein, Solène était partie. Oh my god. Bravo, Colline. Oh putain. Un beau début de vlog, les amis. C'est ça pour des alpagas. C'est pas seul début de vlog. Ça fait le début de vlog. Bah voilà. J'aime bien ce début. Eh bien, vous avez des bien belles petites tronches. Luc, Michel, Jean-Pierre, Jean-Phi. Il a une tête de Jean-Phi, je trouve. Ils sont trop. Ils sont beaucoup trop mignons. C'est permanent. Ils ont mis leur watch. Hein? Il est mangé dans la main. T'es trop mignon. Il crache. Ça crache les alpagas. La matinée, non. Tiens mon cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche ou opium? Allez, venez les petits. C'est parti, tu sais. Allez. Eh ben, quel beau début de vlog. Petit lever de soleil, petit tapis de yoga, petit alpaga. Bien trop mignon. Allez, je me mets ici, à côté d'Aquilus. Merci à vous. Merci beaucoup.
Bon, nous venons de finir cette séance. Et regardez qui nous a rejoint. Coucou. Danou. Danou, à un moment donné, je me suis retournée, j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu fous là, feu? En plus, on est directement arrivé pour les positions les plus difficiles. Mais ouais. Sans échauffement, direct comme ça. Incroyable. Et alors, ceux-là, tu sais, ils sont toujours là, tu sais. Ils ne sont pas partis de la séance. Ils sont tellement peaceful. Comment tu te sens? Je suis foncée. Ça m'a foncé le soleil et tout là. Mais c'était trop bien. Ça fait du bien. Oh là. Putain, Marcus, regardez-le. Moi, je vais rester ici pour raviver le feu. Parce que des fois, il se déravive. J'étais très étonné de te voir arriver, par contre, Marcus. Je suis étonné. Hein. J'ai même pas vu que je me suis réveillé, j'ai fait le yoga et je me suis mis à courir et tout. Je te jure. Dans le programme, tu voyais. Regardez là, ça raconte encore des histoires. Alors, maman, c'était chouette. Très chouette. Karine, tu te sens comment? Alors, faire du yoga, c'est chouette. Le faire avec des alpagas, c'est encore mieux. Oh là là, ça part sur un petit déjeuner des familles là. Oh, dis, c'est beau. Oh my god. Voilà. Viens avec ta soie. Il y a des os. Oh mon dieu. Ça a l'air incroyable. Ça part en balade, ça part en petite promenade. C'est vous notre guide? Oh, nous avons un guide. Allez, c'est parti. J'aime bien notre guide. Vous êtes très stylé pour un guide, je trouve. Petit col relevé. Et là, un col relevé, j'aime trop. En bois? J'adore. Ligaments croisés. Allez, ça y est, ça fait 100 mètres, ça parle déjà de ligaments croisés. Regardez qui est là aussi. Elfie, quoi. Elfie que vous connaissez bien sur cette chaîne, finalement. Tout le monde me connaît sur cette chaîne, en fait. Mais oui. Et puis surtout, Elfie, elle était même dans des vidéos que vous ne saviez pas. Une des sorcières. Mais oui, c'est vrai. Une des sorcières dans la campagne Halloween Martin Cosmetics de la 669. Ouais, avec Jean. Mais oui. C'est vrai. Incroyable. Ah, ça pique, sa mère, ça pique. Ça pique de ouf, faites gaffe. Franchement. On est pathétique. C'est Koh-Lanta en fait le machin. Donc là c'était pentu. Alors là. On va passer sur encore plus pentu. Alors les gars, ça va être gravelé de partout. Un petit ruisseau, on va descendre en rappel. Et là ça part au tournicotis là. Jardine, quel plaisir de t'avoir parmi nous. Écoute, je suis bien heureuse d'être là. J'ai un petit peu chaud à mes guibolles. Je pense que je terminerai en slip. Ah mais toi tu transes aussi de ouf hein. Mais attends, j'ai mis un jogging. On transpire de dingue. Ah, putain. Voilà, après 2 heures de marche, point de côté, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au cul. On est sur une condition physique déplorable quoi. Après cette petite balade, ça part sur une autre conquête. Ah. Hop là, et ça a l'air vraiment très très bon. Ici c'est aux arachides, là c'est des oignons frits, je pense. Et là c'est des oignons frais. Comme ça. Faites bouffer et picoler ici. Tout a l'air incroyable en tout cas. Du coup, après avoir bien mangé, belle balade, on va aller profiter du spa. Les petits peignoirs, ils sont trop mimes, ils sont incroyables, tellement confortables. Personnalisés d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on les a fait personnaliser. Dan de Pever, DDP, Double Dick Penetration. Oh oui, dit oh la classe, bah, oh dit allez, incroyable. On est mariés depuis 2 ans, donc... Mais... C'est toujours pas changé de nom. C'est ici que les enfants font la sieste. Donc on a des nannies, des péricultrices qui seront là pendant les 3 jours pour garder en tout cas les enfants de mes invités. Parce que voilà, j'avais envie que tout le monde puisse venir accompagner même de ces petits bouts et puisse quand même profiter. Et donc c'est quelque chose que j'ai fort remarqué quand je suis en event. En fait, les marques s'en battent un peu les couilles et estiment que tout le monde peut comme ça laisser les enfants à gauche à droite alors que bah, c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup c'est trop cool parce que tout le monde a pu venir, c'est trop chouette. Bonsoir mesdames. Bonsoir. C'est beau hein. Chacun son comme c'est beau, vas-y. Et quelle qualité. Mais enfin Solène, qu'est-ce que c'est que ces belles events s'il te plaît. Je suis obligée de rendre honneur à la Belgique. Elle a été à la brasserie Pic s'acheter plein de bière. Eh bien, si. C'était 15 minutes à pied. Et revenir avec tout ça. Oui. T'es une vraie toi. Cœur sur toi. Incroyable. Oh, dites allez, regardez comme c'est beau. Et donc aujourd'hui, ça part sur un soin visage avec du Martin Skin. Oh là là. Coucou. Direction la grotte de Sel, les amis. C'est trop bien en fait, tu
vas t'asseoir et il y a de l'air chaud qui sort. Il y a de l'air chaud et c'est du gros cerveau du Himalaya. Incroyable. Allez, il faut allumer. Incroyable. Allez, hop. J'ai fait la grotte de sel, c'est trop bien. Si t'as envie d'essayer, c'est vraiment chouette. C'est quoi ? Comme un sauna, mais pas vraiment, dans le sens où c'est pas avec du steam, ou en tout cas avec des pierres chaudes. C'est vraiment tout un système électrique. Et t'es genre assis sur un espèce de siège ergonomique assez confortable, avec tout un truc de chaleur infrarouge. T'as sur ton visage et sur tes pieds. C'est très gai. Franchement, c'est chouette. Testé, approuvé par Martine. Nous rentrons dans une antre avec nos petits saumons qui cuisent en mode plancha. J'adore. Des petits teriyaki. On dirait un buffet chinois, meuf. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, cet endroit est vraiment incroyable. Je suis trop contente d'être venue ici. On a bien choisi. Bien choisi, bien choisi. Marcus s'est fait faire ce petit soin visage. Martin Skin is glowing as fuck. It's only you. Non mais par contre, attends, c'est vraiment... Ça part sur un petit mensonge. Aussi bien le propre produit. C'est exceptionnel, un grand merci. Mon cœur. C'est fini, mon cœur. Non. Si. Non, elle va continuer. Dan n'a plus envie de partir. C'est incroyable. Oh là là, la peau est dingue. Je sais même pas comment dire. Franchement, c'était incroyable. Je me suis encore endormie. Alors, j'ai même pas envie de me laver, j'ai envie de rester comme ça. Sans bouger, c'est trop bien. Genre, je me sens détendue. Je me sens trop bien. J'ai l'impression d'être vraiment dans un autre univers là actuellement. La Grass Knight, c'est la vie en fait. Cette crème est exceptionnelle. La Grass Knight, crème brille, masque, crème de nuit, en vrai même crème de jour, elle est exceptionnelle. Pour aller faire vraiment des soins en profondeur, des soins Kobido, ce genre de choses, elle est incroyable. Elle donne un glow instantané et alors une hydratation, enfin j'ai la peau complètement repulpée. En plus elles sont toutes trop mignonnes, les nanas qui bossent ici, elles sont toutes trop mimes. C'était incroyable. Je suis d'accord avec tout ce que Gaëlle a dit, parce que ça va l'air super professionnel. Bon, attendez, on fait une pause dans ce vlog. Je crois que je vous ai même pas expliqué ce qu'on fout ici. Donc, j'ai lancé Martin Skin en janvier de cette année. Le succès du lancement de cette marque, it's insane, c'était juste fou. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais fêté ce succès. Je n'ai jamais pris le temps, et ça, c'est un vrai problème que j'ai dans plein de mes projets. Je ne prends pas le temps de célébrer. Je ne prends pas le temps de me poser et de réaliser finalement ce qui est en train de se passer autour de moi. Les projets qu'on arrive à mettre sur pied. Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout pris le temps de fêter comme il se doit le lancement de Martin Skin. Ce qui se passe aussi aujourd'hui avec la vente physique, Martin Skin, mais aussi Martin Cosmetics à la Samaritaine, donc ça c'est vraiment le coup d'envoi de la vente physique. On sera évidemment en Belgique et dans d'autres points de vente en France très bientôt, d'ailleurs dès le mois d'octobre en fait. Et j'ai jamais pris le temps de me poser et de dire waouh, ok, c'est trop chouette, on mérite de fêter ça. Et j'avais envie de faire kiffer aussi la team. Vous le savez, j'ai un amour tout particulier pour mon staff, les gens qui bossent dans cette boîte, parce qu'on parle évidemment souvent de l'audience et sans la ferveur et l'amour qu'on a des gens qui nous follow, en fait, bah forcément il se passe pas grand chose, et c'est vrai, je suis la première à le dire. Sans vous, évidemment, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de produits qui se vendent, il n'y a pas de meet-up, il n'y a pas de lancement physique, il n'y a pas toutes ces belles choses. Mais d'un autre côté, sans mon équipe, sans les gens qui bossent tous les jours autour de moi, qui se donnent à 200% dans cette boîte, sans eux, en fait, il y a rien non plus, en fait. Donc voilà, j'avais envie d'inviter évidemment des amis. J'ai invité également de la famille. Ma petite maman est là, sa meilleure copine, qui est comme une tante pour moi, des amis de longue date, tout le staff. Et voilà, en fait, j'avais juste envie de chérir un peu ce moment et de prendre le temps tous ensemble. En plus, là, le moment, il tombait tellement à pic. Avec le lancement à Paris, ça a été très tendu, énormément de travail. Et là, le mois d'octobre, hein, qui est là, on a clairement du très très lourd qui arrive, hein, tout simplement.
palette Halloween toi-même, tu sais. Et donc voilà, j'avais envie de faire les choses bien, que ce soit une vraie retraite, un vrai moment de détente, où on remet un peu tout à zéro, on recharge les batteries, tout en ayant les enfants finalement près de nous, mais qu'ils soient pris en charge correctement par une équipe ultra qualifiée, qui est d'une gentillesse en plus incroyable. C'est trop chouette, ça se passe trop bien. Ce soir, dîner spectacle. Martina, de nouveau, venue faire les choses en grand. J'ai une très bonne copine à moi, Loli, Loli Wish, qui est une performeuse extraordinaire. Je vais pas vous en dire trop, mais en tout cas, elle vient ce soir avec ses équipes, avec sa troupe, et ils nous ont concocté un petit spectacle. Vraiment. Allez, bisous. Regarde mon cœur. Waouh. Ça fait bouger les lignes. Et ça vibre. C'est où? Ça, c'est incroyable, mon cœur. Cette chambre est exceptionnelle. Oh là là, les éclairs, mon cœur. Oh, oh my. Et on nous croit à Disneyland ici, genre, c'est dans une attraction. C'est dingue, hein. J'adore. Quoi? Merci. Ça va swinguer la galaxie. Oh my god. J'adore. Oh my god, elle est so corporée. Vous êtes trop trop. Oh, mais tout le monde est incroyablement glam. On a fait des efforts. Oh là là, it sparkle. Ok. Je pensais à quelqu'un, mais je sais pas qui. Je t'en jouais. Cheers. Eminem. Eminem un peu. Moi j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à Eminem. Un cousin éloigné. Oh my god. J'adore. Oh my god. Too much for this lens. Incroyable. Sirène quoi. La Daphne a sorti le strass. Oh là ça brille. Mon dieu ce que ça brille. C'est incroyable. Oh regardez là. Hey, c'était les chaussures que tu portais à mon mariage. Ah oui, elles sont trop belles. Elles sont incroyables. Une lumière horrible. Champignon doré. Ouais. Incroyable. La suite, quoi, les amis, caviar, sorbet litchi, saké, magnum, healthy framboise, fruits rouges, ganache, chocolat blanc. Non, je voudrais simplement, au nom de tout le monde, et je pense qu'on sera tous d'accord, pour te remercier du fond du cœur pour ce week-end extraordinaire, pour cette soirée exceptionnelle. Tu as créé quelque chose de tes mains d'or et c'est juste fabuleux et tu le sais. À quel point je suis fière de toi et à quel point nous le sommes tous. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Je t'aime et on t'aime de tout notre cœur. Simon.
toi. Oh, détaillé. Un dessert avec du caviar, ça c'est quand même une première. Ah, regardez là, elle passe un très très bon moment. Oh mon Dieu, ça n'arrête jamais. Dit pour aller dire au revoir à mes invités, quel bazar. Moi je vais aller dormir, terminer mon soir, je fais de mes savates, j'ai mal aux pieds, terminé. Regardez, let's see, une belle brochette. Qu'est-ce que tu bois là? De l'eau. C'est bien. Les filles, je vais dormir, j'ai mal aux pieds. Je vais juste enlever tes chaussures. Ouais, c'est vrai, tu as raison, Solène. Aïe aïe aïe, Jake, que tôt. Je me suis pas du tout démaquillée hier. J'ai la voix, on dirait Chantal Latsou. Jake, évidemment, à 7h était réveillé, vous en doutez. 6h45. Et donc voilà, hein. Faire la bringue. Quand on sait qu'à 7h, faut se lever, c'est chaud. Mais on a été raisonnable, hein, chaud. On est rentrés, nous, il était 1h du mat, quoi. Du coup, il y avait un cours, un truc sonore qui avait l'air incroyable, mais pff, c'est à 9h15. Et je sais pas si j'ai le courage, en fait. Je ne pense pas avoir le courage. Je pense que je vais prendre ma douche, je vais me laver les cheveux et je vais juste bruncher après. Je crois que je vais essayer de me reposer encore un peu. Et parce que demain, c'est lundi, évidemment. Et lundi, qui dit lundi, dit la reprise du travail, dit réunion à 9h du matin, évidemment. Je me dis que ce sont les dernières heures où je peux encore un peu me reposer. Quoi, Rico, mon cœur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. La séance de sonothérapie, le courage qu'ils ont. Bien, c'est parti pour le dernier brunch avant le grand départ. Attends, j'ai raté quoi? Il y a eu des frites? Mais... on a le débrief de Marcus quand même, parce que hier soir, nous, on est parti à 1h. Et là, on nous dit quoi? Il y a des frites. Aïe. À quoi? À 3h du matin? 3h du matin. Le drôle dans l'histoire, c'est que j'ai pas mangé une frite, ça va pas. T'as pas mangé les frites? T'as vu comment j'en parle? Mais j'ai l'impression que t'avais tout bouffé, t'as rien mangé. Chérie Océane. C'est vous qui avez mangé les frites hier? C'est de la délation. Vous avez bouffé des frites en pleine nuit, dans un spa? Le serveur, il est venu, il a dit, j'ai ramené les frites, il y en a pas beaucoup. J'ai dit merci, tu chotais, et je tout râle. C'est le moment des au revoir. C'est le moment des au revoir, c'est trop triste. Sniff, sniff. Merci d'être venu. Oh, c'est si beau. Mettez-moi un slow-mo, mettez-moi de la musique triste au montage. Avec de l'eau, ça. Oui. J'adore. Ça y est, c'est la fin, on va faire les petites valises. C'était chouette. C'était bien. C'était vraiment cool. C'était good vibes à moi.
fatigant malgré que ce soit un week-end.